Bonsoir, Président. Bonsoir, mon très cher. Comment vous allez, Président? Ben, ça va, au rythme de la compétition. Au rythme de la compétition, Brazzaville est l'épicentre du handball africain. Alors, un mot d'abord par rapport à l'organisation, vu la cérémonie très réussie de cette édition. Bravo à tout le monde. Moi-même, je suis membre de la coordination, je suis président de la Ligue. Et la Ligue, surtout la coordination, les gens travaillent main dans la main. Dieu merci que jusque-là, tout va bon train. On a vu que la DGSP a créé la sensation en battant quand même lors de son premier match. Étiez-vous la joie puisque DGSP, c'est l'équipe de Brazzaville? Bon, mais la première victoire, il faut d'abord signaler que ce n'était pas d'abord la DGSP. On a eu une première victoire, c'était PMC. De l'autre côté, quand je suis face à GESCA, un match tendu, mais 26 pour GESCA, 28 pour PMC. C'était la première victoire du département de Brazzaville, suivie effectivement du match avec Ébullition de la DGSP face à Bondama de la Côte d'Ivoire. Et puis, c'est déjà bien. Nous sommes encore dans les cordes selon nos calculs. Vous êtes le président de la Ligue départementale de handball de Brazzaville. Un mot pour l'ensemble du public brazzavillois ainsi que des compétiteurs. Tout à l'heure, nous venons de perdre un match. Il s'agit de Grain de Sel. Un match pourtant nous menions de 4 buts quand même. Et bon, d'abord, il faut ramener le moral au groupe de Grain de Sel. Que les techniciens là-bas revoient un peu la sauce, qu'ils revoient ce qu'il faut faire parce que c'est leur première sortie. C'est pas fini. Avec eux, nous sommes avec eux pour les soutenir jusqu'au bout, comme on dit. Et tout à l'heure, vous entendez les coups de sifflet, il y a Petro, en homme, qui rentre aussi en scène parce que, je cite les noms, il faut pour les téléspectateurs qu'ils sachent que Brazzaville a deux équipes en hommes et deux équipes en dames. Et toutes ces équipes sont les équipes du département de Brazzaville, dont nous sommes à la tête de l'institution. C'est la raison pour laquelle nous multiplions les efforts, nous sommes là pour eux, on les soutient en tout cas jusqu'au bout. Nous sommes là, le peuple brazzavillois, le monde handballistique, nous sommes avec nos équipes de Brazzaville.